Après les nettes hausses de la veille, les indices européens consolidés ce jeudi midi à 13h20. Le Stoxx 600 perdait 1,5% à 401,94. À Londres, le FTSE était stable à 6748,10. Stabilité également à Francfort avec un DAX à 11639,50. Sur le marché français, le CAC 40 affichait une hausse, mais une hausse limitée de 0,13% à 5203,63. Il y avait 24 valeurs dans le vert pour 16 dans le rouge. Et à noter justement parmi les plus fortes avancées du jour, Crédit Agricole, la banque qui empochait un peu moins de 3% à 13,41€. Kering, plus 1,51% à 181,15€. Ou encore Airbus Group qui gagnait 1,32% pour un titre à 67,61€. À la baisse, en revanche, eh bien, on retenait ArcelorMittal, le groupe sidérurgique qui glissait de 1,44% à 8,57€. Sur le marché d'échange, très rapidement, l'euro valait 1,0898. Le dollar était lui coté 124,85 yens. Et sur le marché obligataire, pour terminer, le rendement de l'OAT 10 ans affichait une baisse de 5,3 BP à 1,01%. Pour Trading Central, en direct ici à New York depuis le Stock Exchange, c'était Sébastien Giron. Je vous souhaite bien sûr une excellente fin de journée. On se retrouve demain.